C'est sous la conduite de Pascal Cousin, président départemental, et de Jean-Paul Duhaut, président de la société hippique rurale de l'Oudéac, que les 160 chevaux et la trentaine d'attelages se sont élancés pour le défilé en ville de l'Oudéac. Sous l'œil attentif de Félix Robert Letilly, animateur de la journée. Thank you.
sur l'hippodrome de Mouliac, c'est dans la voiture du haras de Lamballe qu'avaient pris place le maire et le député, accompagnés de la directrice du haras, pour le début du spectacle de cette 31e fête du cheval de Loudéac. Précisément de se préparer. Je crois qu'il nous faut un cercle. Alors voilà, au centre, il faut que ça piétine et que ça va plus vite à l'extérieur. Voilà, le cercle se met en place. Alors, au centre, on s'arrête pratiquement. Alors, il faut que les teneurs de chaque côté font conséquence. Oui, je pense que ça va être bon. Voilà, alors changeons de rythme au trot. Pierrick, Léa, tu peux aller. Thank you.
Ce sont des sexagénaires de 60 à 67 ans. On va pas dire de nom cette année. Le deuxième dimanche d'août.